Être un combattant complet. Ce combattant qui, par sa discipline au travail et son abnégation, acquiert l'essentiel des différentes techniques pouvant lui permettre de transcender et de sortir aisément dans de différentes situations. Bundjou Najombe travaille sans cesse son corps, aiguise son esprit et sublime son être dans le dépassement de soi, tel Zeus, le dieu grec, dont il est surnommé. Sportif dans l'âme, lorsque ce dernier raconte ses débuts, c'est toujours avec un sourire aux lèvres. À 9 ans, j'ai commencé le football et j'ai joué plusieurs clubs, Lumière d'Afrique, Alliance FC et plein d'autres quoi. Après, j'ai découvert la boxe anglaise par l'intermédiaire d'un ami et j'ai essayé de pratiquer juste pour le self-défense. Mais au fur et à mesure que je pratiquais, j'ai vu que j'avais aussi du talent. Donc j'ai essayé de faire une compétition au Palais des Congrès. Et cette compétition, je l'ai fait, j'ai gagné au deuxième round KO. Et c'est là que l'envie est née de continuer le sport de combat. De la boxe thaï, on a eu une invitation pour le MMA au Ghana, à Accra. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est le MMA. On a commencé les entraînements de MMA. On a fait plus de 2 mois d'entraînement de MMA. On est parti à Accra. On est revenu avec la victoire. On est parti à Cotonou. Et là, on est revenu avec la ceinture. Aujourd'hui, adulé par les siens et respecté par ses pairs, l'histoire d'amour entre le mixed martial art et Bundjou Baba Najombe est née de la rencontre du futur champion avec celui qui deviendra plus tard son entraîneur. Coach, il a découvert quelque chose en moi, c'est que j'avais de très bons low kicks. Les low kicks, c'est les coups de tibia à la cuisse. Donc du coup, j'avais assez de force dans les jambes, ce qui permettait de gagner les combats parce que quand je donnais un bon low kick, l'adversaire n'a plus envie de continuer. Donc ça, c'est une force que j'ai et c'est le coach qui me l'a donné. C'est le coach qui me l'a montré plutôt. Le jeune Bundjou Baba Najombe, c'est un jeune qui est très très talentueux. C'est un jeune qui est très dévoué en ce qu'il fait et qui croit en ce qu'il fait. Donc moi, de ma part, je fais mon mieux pour lui donner plus la foi en lui, de le rendre plus fort et pour aller encore plus loin.
Comme un artiste devant sa toile et son pinceau, Nadjombé a un rythme d'entraînement quotidien et hebdomadaire très soutenu et les différentes facettes pour être un bon combattant sont revisitées à chaque séance. Je m'entraîne deux fois par jour, 6 jours sur 7 et 2 heures chaque entraînement. Il y a beaucoup de choses, il y a le cardio, il y a le physique, il y a la technique, il y a un peu de tout. Avant chaque combat, la concentration et la focalisation demeurent les éléments dopants pour notre champion dans sa préparation. Chose lui permettant d'avoir une longueur d'avance sur ses adversaires. De la même manière, tu te prépares, ton adversaire aussi se prépare. Donc, du coup, tu te poses des questions. Quelle tactique utiliser contre lui? Comment il s'entraîne? Je dois faire plus pour pouvoir avoir un avantage sur lui, soit au niveau physique, soit au niveau du cardio et tout, quoi. Ça m'a toujours permis de plus travailler et ça a toujours été un défi que je devais relever. Donc à chaque fois que je pensais que mon adversaire travaillait plus, ça me donnait encore plus de force et plus d'énergie et ça me donnait envie de travailler plus. Donc du coup, j'ai toujours une longueur d'avance sur mon adversaire. Mes coups de pied, mes low kicks ou bien mes high kicks. Donc c'est ça mes techniques pour mettre le coup fatal à mon adversaire. Nadjombé, c'est le premier combattant au Togo, particulièrement toute cousine, qui a été à l'extérieur et a ramené une ceinture. C'est comme un frère, un ami, et à l'entraînement, je trouve qu'il est très courageux, très fort, il s'entraîne beaucoup. Ça, je peux le dire, il est très dévoué dans ce qu'il fait. Et on est tous derrière lui, on l'encourage et on espère bien qu'il fera du bon boulot, qu'il continuera comme ça parce que ce qu'il fait chaque matin, chaque soir ici, c'est très dur. Moi aussi, je suis sportif, je sais ce que c'est et je peux dire qu'il s'entraîne vraiment très fort et il va y arriver, c'est sûr. Vous allez essayer de voir ce que c'est que l'entraînement du champion d'Afrique de l'Ouest de MMA. De faire le shadow boxing et le shadow boxing c'est en quelque sorte ça permet de travailler avec un combattant imaginaire. Là ça te permet de développer tes réflexes, tes esquives, tes blocages et comment tu attaques parce que tu travailles avec quelqu'un que tu t'imagines. Après chaque attaque il repose, tu bloques, tu rentres et c'est ça des enchaînements qu'il faut faire pour maîtriser, pour avoir la maîtrise des enchaînements
à pratiquer sur le ring. La phase suivante, c'est le travail sur le sac. Et ça, ça permet de travailler la force de frappe et la vitesse avec laquelle, la vitesse de précision avec laquelle on touche le sac. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, prochaine étape. Tu étais formidable, nous j'étais formidable. Nous étions formidables. Nous sommes le 28 avril 2018 et Lomé Fight Night bat son plein. La technique développée dans l'octogone par le jeune champion tient en haleine le public et désarme son adversaire dans sa volonté de récupérer la ceinture qui était sienne au départ. Terme des trois rounds de 5 minutes, Zeus conserve sa ceinture BFC et devient le tout premier champion dans la catégorie des poids moyens des moins de 75 kg au Pitbull Mixed Martial Arts League. En première vue, il m'a surpris. Et là, il a essayé de faire une clé. Heureusement pour moi, j'ai travaillé ses techniques. J'ai essayé de me défendre une, deux, trois fois. Et là, j'ai pu déjouer son choix, son jeu. Je l'ai mis au sol. Et après, maintenant, j'ai intégré sa stratégie. Et là, j'ai essayé de le prendre à son propre jeu, quoi. Ouais, les techniques au sol. Elle est gardée maintenant toujours pour le Togo. Toujours, à moins qu'il y ait un autre qui ose défier encore le Zeus au Togo. Et il aura affaire à moi et je serai là. Et je ne le fais pas avec ma force, ni avec ma puissance. Et j'ai foi en Dieu, au Créateur du ciel et de la terre. Et il me guide toujours, il est ma force, il est ma lumière. Et j'espère qu'avec lui, j'aurai toujours la victoire. Il ne m'a jamais déçu. Et j'aimerais qu'on parle de moi, comme on parle de Ngano, le Camerounais, à UFC. Et j'espère que c'est pour bientôt. Orphelin de père, Bunju Baba Nanjambé, dit Zeus, obtient en héritage la rage de vaincre
et la persévérance de son défunt père, Bunju Banja. Il a été un grand coach pour plusieurs clubs de D1, voire le Bikinti, le Tigre Noir, Aiglon. Il a été un coach pour tous ces clubs qui sont arrivés au D1 grâce à lui. Donc je dirais qu'en quelque sorte, j'ai le sport en moi, quoi. Loin d'être un vecteur de perdition pour Zeus, les sports de combat lui ont plutôt permis de canaliser l'énergie débordante dont il fait montre. Mieux encore, cela lui a permis de grandir. Quand je continuais par faire le sport de combat, j'étais plus brutal et violent comme j'étais avant. Je pouvais au moins me contrôler face à certaines situations. Rester tranquille et ça m'aide beaucoup, surtout dans ma vie, quoi. La boxe m'a permis de grandir dans la tête et ça m'a aussi appris la maîtrise de soi et ça m'a évité aussi de faire de n'importe quoi dans la rue, de me contrôler, de me maîtriser, quoi. Alors moi, quand je suis arrivé à m'entraîner ici au Pitbull Gym il y a quelques semaines, il y a quelques mois, Najambe était déjà là avec Cynthia et d'autres. Et on peut de suite comprendre qu'il dégage vraiment une puissance en lui et une maîtrise de ses forces. On comprend bien qu'il est très sportif, mais en plus de ça, il dégage aussi une certaine confiance. Avec cette confiance, on peut comprendre aussi qu'il peut aller très loin dans ce sport-là. À force de travail et d'abnégation, on va voir que ce Najambe va aller très très loin dans la boxe et dans les sports de combat. Voilà. C'est un moteur, quoi. C'est une locomotive pour tous les autres élèves de la salle. Quand on s'entraîne avec lui, on a envie de bien faire, on a envie de faire aussi bien que lui. Bon, ce qui est très difficile parce qu'il a un niveau vraiment supérieur au nôtre, mais au moins il nous pousse à dépasser nos limites. Voilà. Et à comprendre bien que tous ces sports-là, tout ce qu'on fait, crossfit ou boxe, boxe thaï ou MMA, ça me permet de dépasser. Le dépassement de soi, c'est une force intérieure. Il faut cultiver ça, quoi. Il faut cultiver ça. Le plus marqué, c'est mon premier combat de boxe anglaise au Palais des Congrès. La peur qui m'animait et ensuite la joie que j'ai ressentie après la victoire. Ma vision, ce serait de devenir champion du monde de boxe thaï pour le Togo, champion du monde de boxe anglaise, champion du monde de MMA et dans les autres disciplines, quoi. Tout le temps, toujours pour le Togo, ouais. La boxe anglaise, la boxe thaï ou bien le MMA, on ne limite pas un combattant. Parce que si aujourd'hui, tu es en boxe, qu'il est très doué, il peut aller loin, il peut aller devenir champion du monde, pourquoi pas. Si en MMA, il peut devenir champion du monde, pourquoi pas. Pareil en boxe anglaise. Donc, tu ne peux pas en sorte que il peut être très bien sur tous ces domaines-là. Et aussi, notre objectif, c'est pour aller plus haut, c'est-à-dire arriver au sommet, quoi. Le sommet, ça veut dire être champion du monde. Et puis ça sera très bien pour le Togo parce que c'est un jeune Togolais. Il faudra que le Togolais sache qu'il y a un jeune comme ça.
qui est champion aussi en MMA en Afrique de l'Ouest. Et qu'il a besoin de leur soutien, quoi. La plus grande chose que j'ai à dire à Baba Nandjombé, d'abord, c'est l'humilité. C'est très important dans tout ce que nous faisons. Il faut de l'humilité, du courage, de la force, de la sagesse. Pour ça, j'aimerais lui dire qu'il soit courageux, qu'il puisse prendre soin de ce qu'il fait, qu'il puisse être fort et, je sais pas, aider les jeunes ou donner un exemple aux jeunes de demain pour qu'ils puissent pratiquer ce qu'il fait aussi. Comprenez ? Il doit être un exemple, une affiche de demain. Pas seulement pour aujourd'hui, parce qu'il bosse et tout, non. Il doit être très humble, très courageux, très fort pour demain. Grâce à mon sport de prédilection, le rugby, on apprend beaucoup de valeurs de la vie. Que ce soit l'humilité, l'entraide, la collectivité. On retrouve ces mêmes valeurs dans la boxe thaï ou dans le MMA. Moi, le seul conseil que j'aurais à donner à Nandjombé, c'est de rester humble. Parce que l'humilité, ça fait tout. Il faut savoir toujours d'où on vient et où on veut aller. Et aussi de travailler. Travailler. Même si on gagne des ceintures, même si on gagne des titres, même si on gagne des coupes ou autre chose, se remettre toujours à un niveau de travail pour pouvoir progresser. Progresser. Le travail, il n'y a que les efforts et le travail qui payent. Le reste, si le mec il prend la grosse tête ou n'importe quoi, il se dit « moi, je suis le meilleur, moi, j'ai gagné tant de ceintures », ça n'arrivera pas. S'il se remet chaque fois en question, ça marchera. Donc travail, abnégation et volonté de réussir. Contact que j'essaie de mettre tout en place pour qu'il puisse aller plus loin. Je le soutiens comme je peux. Et aussi, ceux aussi qui peuvent le soutenir sont les bienvenus. Que ça soit à côté financier, parce que d'abord, c'est la première des choses. Parce que quand un combattant s'entraîne, il a besoin de se manger, il a besoin d'avoir l'argent pour pouvoir s'occuper de lui. Plus loin, mais un homme qui s'entraîne et qui ne se nourrit pas bien, il n'est pas bien dans la tête, il ne peut pas aller loin. Même s'il doit utiliser 100% de sa force, il peut peut-être c'est 20% de sa force qu'il va utiliser. Donc, ma part, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir lui garder à un certain niveau. On sait qu'on n'a pas assez, mais on essaie de faire avec les petits moyens que nous avons. Voilà. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve la vie, yo, mon chemin déjà tracé. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie. Sur les traces de ses aînés dans les sports de combat au Togo, Bundju Baba Nandjombé est sans doute le nouveau Zeus et le nouveau porte-étendard et n'attend que du soutien pour s'éclore au niveau international. Même si d'aventure, il lui arrivait de ne plus pratiquer cette passion, il retournerait à la terre son autre passion. Comme dit l'adage, la terre ne trompe pas et ne trompera jamais ce fils du pays. J'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la terre. Donc, si je pratiquais plus de la boxe, sûrement j'aurais une salle où je pourrais partager mon savoir avec mes petits frères et
avec tous ceux qui aimeraient apprendre. Et après, j'aurai à ouvrir une ferme où j'aurai à peut-être élever les animaux parce que j'aime les voir s'épanouir. J'aime élever les animaux, j'aime l'agriculture, j'aime la terre. Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce.